Le but de ce livre, c'est d'inventer des nouvelles masculinités compatibles avec les droits des femmes et les droits de tous les hommes. Ce que j'essaye de proposer, c'est une morale du masculin à l'ère MeToo. Une morale du masculin fondée sur deux notions que je propose. La justice de genre, c'est-à-dire une société où le sexe et le genre ne sont corrélés à aucune inégalité sociale. La deuxième notion que je propose, c'est la liberté femme-homme, qui est une notion qui, à mon avis, englobe l'égalité femme-homme. La liberté femme-homme, c'est l'idée que les femmes peuvent et doivent avoir une vie propre, autonome, indépendante, au service de personnes. Et notamment, elles doivent pouvoir se définir soit comme les égales des hommes, soit intégralement sans rapport avec les hommes. Et ça, je crois que c'est propre à une émancipation des deux sexes. Bien sûr, c'est un livre qui est en résonance avec son époque. Je l'ai écrit à l'ère MeToo. Cependant, c'est en écho avec un livre que j'avais publié un an avant l'éclatement de MeToo, c'est Laetitia. Et mon livre Laetitia était déjà une réflexion sur les violences subies par les femmes et aussi les différentes masculinités, notamment les masculinités dévoyées qui ont fini par détruire Laetitia. Mais bien sûr, ce livre est l'enfant de son temps et le fait que j'ai vécu cet événement historique qui a été MeToo, ça m'a aussi déterminé à prendre la parole en tant qu'homme sur un sujet où le silence des hommes est d'habitude tonitruant. Voilà, alors je crois que c'est un livre à cet égard qui est nécessaire, nécessaire sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, et tout simplement, il détermine une des conditions de notre bonheur à tous.